Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Allez, on va se faire le petit oracle de cristal de la loi d'attraction. On va prendre quelques cartes. J'avais envie de prendre 7 cartes, hein, comme je fais des fois. Allez, 7 cartes. Allez, hop. Je ne vais pas avoir la place, mais je vais quand même prendre la place. Hop. Allez, on y va. Et on se prendra une petite carte. On va réfléchir. On va voir. Alors, on a le travail. Certains et certaines d'entre vous font du travail sur eux ou ont, sont au travail. Mais là, on parle de travail d'introspection. Donc, on parle de travail d'introspection, c'est le travail sur soi. C'est le travail sur l'être. Vous êtes un être divin. Vous devez travailler sur vous pour peut-être évoluer dans la divinité. Vous êtes un être divin. On nous a coupé de tout ça, hein, pour nous formater dès l'enfance, à l'école, etc. C'est comme ça, pas autrement. On nous a coupé de notre être divin et de notre foi. La foi en l'univers, la foi en nous et en nos capacités, la confiance en nous, la confiance en la vie. On débute un nouveau cycle. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Tu débutes un nouveau cycle. Il faut commencer aujourd'hui. L'évolution prend du temps. Donc en fait, c'est vraiment un chronologiquement, on est dans le travail sur soi pour devenir nous-mêmes, pour avoir la foi, garder la foi en nous, le commencement et le temps. L'évolution prend du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, surtout si vous travaillez un petit peu, rien pendant 15 jours. Voilà, donc c'est vraiment... Et on te parle après de l'évolution prend du temps, on te parle du lâcher prise. Il faut travailler sur soi, il ne faut pas s'acharner, sinon on peut faire un burn-out spirituel, d'accord? Je vous avais déjà fait une vidéo sur ça, sur le burn-out spirituel. Donc il faut lâcher prise et il faut savoir vivre le moment présent, ici et maintenant. Donc on fait un travail sur soi pour être nous-mêmes, pour garder la foi, pour commencer un nouveau, une nouvelle vie, un nouveau départ. L'évolution prend du temps, mais on y arrive. Le lâcher prise est important pour cette évolution. Et on a le présent, je vis ici et maintenant. Je ne vais pas continuer trop longtemps cette vidéo. Je vais peut-être juste faire la réponse à la question. Donc, pose ta question. Je te demande, voilà, tu vas avoir la réponse angélique. Je te demande de poser une question. Ferme les yeux. Moi aussi, je vais poser une question. Et l'archange Michael me donne la 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui... Voilà. Amélioration, j'arrivais plus à parler, amélioration de l'état de santé, c'est-à-dire que le fait de travailler sur toi, de t'occuper de toi, de garder la foi à un nouveau commencement, mais que l'évolution prend du temps, le lâcher prise, le présent, l'amélioration de l'état de santé. On va vers une... Quand on fait du travail sur soi, quand on prend soin de soi, on va vers une amélioration de la santé, de l'état de santé. Voilà les amis, je remercie l'archange Michael de nous avoir donné cette carte. Vous savez que l'archange Michael adore la loi d'attraction. Il adore qu'on lui demande des choses aussi. Hein. Vous pouvez lui demander plein de choses. Il se fera un plaisir de vous donner ce que vous lui demandez. Vous avez aussi votre libre arbitre. Si vous demandez rien, il ne vous envoie rien. Oui, mais moi, il m'arrive jamais rien. Oui, mais t'as pas demandé.
Donc, commencez par demander à l'univers, commencez par demander à l'archange Michael, à d'autres archanges, à l'archange Raguel de vous envoyer la chance. Il va vous envoyer la chance en vous envoyant des opportunités, en vous envoyant des personnes qui vont se mettre sur votre chemin, en vous envoyant des situations, hein, des choses qui vont faire que vous allez dire « Ah ben tiens, là c'est peut-être ma chance, je vais peut-être foncer, monter dans le train, hein, au lieu de le regarder passer le train tout le temps, vous regardez tout le temps les autres monter dedans, puis vous, vous ne montez jamais dedans. » C'est peut-être aujourd'hui qu'il faut monter dans le train, d'accord? Donc les amis, pour cette semaine, hein, c'est une petite vidéo sympa, tranquillou, hein, tranquille et mille, eh bien vous allez avoir une amélioration de la santé, hein, j'ai envie de dire c'est une amélioration globale de la santé, hein, on va vers un meilleur, on va vers un nouveau commencement, on a la foi en nous, etc. Donc on a de l'évolution et il faut quand même garder le moment présent, c'est important, vivez à vie, à fond votre vie, présentement, vraiment, au niveau au présent. Mille merci les amis, n'hésitez pas à liker, partager, et je vous embrasse, et partager surtout l'amour, on a besoin de l'amour ici et maintenant, au moment présent. Voilà les amis, à bientôt.